En fait, quand on dit la belle famille, j'ai les neveux de ma femme qui sont là, pas de toute la belle famille haute. En 2001, quand moi et ma femme nous tombons amoureux, c'était à la mauvaise période. J'étais une star dans une église où sa famille priait, tous ses parents. J'étais vraiment la star, hein. c'est Camille. L'église était tombée. Mm-hmm. Il n'y avait même pas 75 personnes. Makoso vient de l'église, monte jusqu'à près de 600, 700 personnes. L'église est réveillée. Les paralytiques marchent, les aveux voient les sons. J'ai dit 2001. Ma femme m'est piquée d'un esprit de folie, c'est-à-dire elle doit passer le bac. Et puis elle devient folle, elle crie, ça, toute la famille pleure. Et le même jour où ma femme doit être guérie, elle dit à sa maman, mon serviteur arrive aujourd'hui. Et sa mère arrive à l'église, moi je viens de Ndoussi. Et puis on se croise, sa maman tombe, elle ne croit pas. Elle dit, ma fille vient de dire qu'aujourd'hui tu allais venir. Donc j'arrive, tous les pasteurs qui venaient, ma femme prenait tabouret pour les chasser. Il dit, tabouret, puis elle le pousse, puis elle parle de la vie. Toi hier tu as accouché avec une femme, toi hier tu as dit que tu es pasteur. Mais quand j'arrive, quand elle a voulu commencer à dire, tu arrêtes ta comédie, tu l'arrêtes. Ma femme s'est assise, tous ses parents ne croyaient pas. Je l'impose les mains, je prie pour elle. Ma femme est libérée jusqu'aujourd'hui. Donc, l'église où j'étais la star, le pasteur Bété qui est couché là-bas, voyant que la corde de Makoso est en train de tout s'élever, il faut qu'on écarte Makoso et puis nous gérer le mouvement. Mm-hmm. Donc, il commence à créer des polémiques, des divisions. Moi, je n'aime pas faire des divisions. J'ai dit, mes amis, oh, gardez-moi, je m'en vais. Donc, je m'en vais, je n'ai plus rien. De temps en temps, je vais manger chez la maman de ma femme, qui m'accueille comme son fils, dont je lui suis éternellement reconnaissant. Donc je suis matin, midi, soir avec Tatiana et des sentiments commencent à naître. Lorsque ma femme, dans un esprit un peu timide, me dit un jour, toi là, je n'aime pas ça, j'ai fait un rêve où tu étais en bédé, ok, tu es fond de moi aussi, au lieu de venir me dire, moi je suis fond de toi, autre. Voici comment. Mais je vous dis que il serait ce que le lendemain, on annonçait à personne. Je ne sais pas comment ça m'a fait pour savoir ça. Ah bon? Le même jour, c'est-à-dire le lendemain, ma vie a été un cauchemar. D'où ce que je porte cette marque. Vous voyez cette trace qui est dans ma main. Mm-hmm. Montre là la caméra. Vous voyez la marque que c'est je porte ça? Dans ma main. Okay. Cette marque. Et c'est dû à quoi? C'est-à-dire c'est dû au fait que... Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Ma femme ne pouvait plus rester à la maison. Et chez tous ceux chez qui je passais, quand par exemple je n'avais plus de toit, quand je vais par exemple dormir chez un pasteur, ma belle famille arrive là-bas pour dire que Makoso c'est un gars qui travaille avec le vaudou du Bénin. Et puis on te chasse. On me chasse. Je vais dormir ici, on me chasse. Donc tous ceux qui sont amis à moi sont menacés et me chassent. Donc ma femme lutte, elle touche 75 000 et elle s'en prend une maison à Boubo à Nissan quoi. Quand elle arrive à la maison, on lui permet plus de se laver avec le savon parce qu'elle ne rapportait plus rien. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Donc moi et ma femme, on se retrouve maintenant seul, comptés à vivre ensemble dans une maison où il n'y avait même pas de mousseline. C'est-à-dire même le rideau, on n'avait pas. On dormait sur mousseline, avec blouson, pendant plus de 3 mois. On avait 2 tabourets et on avait des assiettes en caoutchouc puis des cuillères. Donc ma femme, le matin, sort dans le quartier et elle fait croire qu'elle a perdu ses pièces pour que les gens puissent payer son transport 100 francs, 200, 300, pour que moi, quand j'entre le soir, on puisse manger. Une nuit. Pendant que nous sommes endormis, on entend taper à la porte. Pour moi, je me demande qui c'est. J'ouvre la porte. Je vous dis, une foule de personnes sont en face de moi. Je regarde, je vois ma belle-mère avec certains de ses parents. En même temps, ça commence à tomber sur moi. On commence à me frapper. On me tire, on me bastonne avec des rires, des râteaux, des bois. Je fuis, j'ai tenté d'entrer dans un autre, on va me récupérer. Donc, quelqu'un qui me battait a dit, attendez les gars. Pourquoi on le frappe, la fille là? Quand on nous dit qu'elle a été enlevée là, elle se bat avec nous. C'est là ma belle famille répond pour dire c'est faux, hein. Lui là, c'est un faux pasteur qui a marié notre fille sans nous demander. On dit, madame, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'un rebelle en 2002 est venu de Boaké. Il enlève votre fille et puis il vit ici. Un rebelle, avocatier, quartier pro Babo. Donc imaginez que les partisans de Babo sont en train de botter un rebelle. C'est ce que moi j'ai vécu. On me tabasse à mort et on me m'amène à la gendarmerie. Le gendarme dit, on n'est pas dans un village, votre fille a quel âge? On dit, non, elle a 21. On dit, mais on n'est pas au village. Mais arrêtez ça. Voici comment j'ai la vie sauve. Vous comprenez? Donc, ça a été une histoire traumatisante. 2 jours plus tard, on vient maintenant avec d'autres loubards. On vient, on prend ma femme. On l'attache avec des chaînes. Tu vois, on l'attache, elle est fou là. On l'attache parce qu'on dit, elle est folle. Elle ne peut pas aimer Makoso. On l'attache, on la met dans une bâchée. Le soleil l'a fait. Quand les gens disent, mais à quoi? On dit, non, elle est folle. Et on va la jeter dans une église qui s'est mise céleste. À jamais quelque part là-bas.
quelque part. Et le gars le regarde comme il dit, vous n'avez jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Ma femme revient traumatisée, brisée. Parce que je n'étais pas dans les petits calculs de ma belle famille. Ma femme est trop jolie. Sa soeur en France. Donc en temps normal, bébé chou devait faire ses études et aller en France marier un blanc. Boss. Ça c'était le projet que sa famille avait pour tracé et un vanupier. Toi tu es venu bouleverser leur plan. Donc la colère pour moi elle était légitime, elle était normale. Donc pour moi j'allais me battre pour prouver à ma belle famille que je ne suis pas le bandit qu'ils pensent. Et on n'a pas échoué notre vie. Si aujourd'hui le monde entier parle de Tatiana, c'est parce qu'elle a épousé Camille Makosso. Donc notre réussite a été pour certains de cette famille une honte. Vous n'avez pas parié sur lui, maintenant il a réussi, etc., etc., vous avez honte. Et quand le malheur nous frappe, certaines personnes veulent utiliser le vieux ricochet de 2001 pour ramener certaines cela. Certaines personnes comme qui? Certaines personnes comme certaines qui sont autour de sa mère. Elle a une cousine qui est autour de sa mère du nom de Germaine. Moi j'ai dit le nom clair. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Selon les informations qu'on m'amène pour certains membres de la famille, parce que certains membres de la famille me parlent, m'appellent et disent Joe, voilà ce qu'ils sont en train de préparer contre toi. Joe, ta belle-mère est en train d'aller à la PJ pour dire que c'est toi qui as tué sa fille. Donc je suis assis ici, je pleure avec mes enfants, et puis la police m'appelle. Ah, mon général, on vient de finir ton audition, on doit faire encore une deuxième audition. Il dit ok, il s'agit de quoi? Ta belle-mère vient de quitter ici avec certains membres de sa famille et un avocat. Disant qu'ils ont des preuves irréfutables. Ah bon? Que tu as porté un coup mortel à ta femme. Wow. Je dis, je suis tombé malade en même temps. Je ne croyais pas. Je dis, non, ce n'est pas possible. Tout sauf ça. Vous vous imaginez, madame, que tous les journaux de la place écrivaient à la une. Donc, quand les gens voient Makosso maintenant parler là, pendant 2 mois là, c'est moi seul qui sais ce que j'ai vécu. Les humiliations, le ridicule, les accusations, et puis je suis assis là. Jusqu'à ce qu'on dise que j'ai interdit à ma belle-mère d'aller voir le corps de sa fille. C'est faux. Mais c'est même démoniaco, satanique au fond, puisque dans ce téléphone, depuis mon premier deuil jusqu'à aujourd'hui, je filme tout. Dans le jour où même ses parents parlent au cimetière, là, ou plutôt à la morgue, là, je me fuis pendant que je m'en vais. Il dit, bon, tu vas nous partons voir ma belle famille. Parce que le Seigneur me disait, je veux que tout ton deuil, tu lèves ton téléphone. Donc chaque jour, je faisais près de 12 heures de vidéo. Même quand je suis me levé à 4 heures, je suis en train de pleurer là. Je me fuis, je suis en train de pleurer. Parce que je me dis, ma traversée du désert va servir à quelqu'un. L'homme qui est à terre et qui se relève. Et c'est un membre de. Et c'est sa nièce qui fait le communiqué, une certaine Agnès Lourignon, qui est à Londres, qui n'est même pas en Côte d'Ivoire, qui vit à Londres, que je n'ai jamais vu de ma vie, qui écrit. En tant que porte-parole de la famille, pendant qu'ils ont un parrain, M. Firmin qui est ici, qui est le chef de la famille, avec qui je n'ai pas de problème. Il m'appelle sans me demander s'il est bien mangé. Et un chef de la famille qui n'a pas de problème avec moi. Mais c'est quelqu'un qui a Londres qui écrit pour dire, nous tenons à vous alerter que le corps, on interdit le moment de voir le corps. Oh, M. Firmin, la dénommée Germaine, et un de leurs parents qui est médecin, les trois, avec 2 autres, Freddy et une personne, nous ont accompagnés. Pour aller voir le corps. À la mort, pour aller voir le corps. J'ai dit, la maman. On dit, non, la maman est encore fragile, donc on va attendre pour elle. La semaine prochaine, la maman dit, maintenant, je peux aller. Pendant qu'elle est en train de partir, là, c'est là que la femme là, fait le communiqué. Comment on peut être aussi méchant, cruel, jusqu'à ce que... Donc, on veut me présenter comme quelqu'un qui a peut-être fait des pratiques pour enlever des organes du corps et qui a peur que les parents viennent voir. Et même quand on arrive à la mort, les parents exigent de voir même l'opération parce qu'ils ne croyaient, certains ne croyaient même pas qu'elle a été opérée. Donc, sans toucher le corps, les services mortiers sont bien de soulever pour qu'on voie la cicatrice et autres. Donc, comme l'œil, ce côté, est enflé, ce que je leur ai expliqué, ils se disent, est-ce qu'elle n'a pas été tapassée? Est-ce qu'elle n'a pas été tout? Donc, on fait toute une théorie qu'on prépare et qu'on va donner aux activistes de Facebook comme argument pour me clasher. Et c'est mon insulte, matin, midi, soir, dans mon deuil. Qui vous connaissez, madame, qui a traversé ce que moi j'ai traversé? Tu perds ta femme. L'amour de ta vie, ta partenaire, celle qui gère toutes tes finances, celle qui gère tout. Et puis le même jour, même pas le lendemain, le même jour là, on commence automatiquement à t'attaquer. On a entendu dire qu'il y aura une autopsie. Oui. D'accord. Et ça va se passer comment? Bon, c'est mon cri de cœur. Quand vous voyez que par exemple, en fait les gens ne comprennent pas que Camille Makosso a été une stratège en communication.
Il y a une autopsie qu'on attend depuis 2 mois. Logiquement, les autopsies, c'est après 1-2 jours hein, qu'on le fait. Mais on dit qu'il y a un problème de coronavirus et il faut 1 mètre de distance. Or, lors de l'autopsie, lorsqu'on met la personne, toutes les parties doivent être autour du corps. Vous comprenez? Pour que le médecin léger, lorsqu'il coupe ici, en fait, c'est une décapitation qui aura lieu. Et tu es d'accord pour ça? Mais je suis parfaitement d'accord. Parce que je veux comprendre pourquoi je pleure. Mm-hmm. Puisque nous avons entamé une deuxième procédure. C'est pas parce qu'on t'accuse d'avoir tué ta femme que tu acceptes l'autopsie. Non, parce que le même jour, ça c'est une information que vous n'avez pas. Le même jour, je perds mon épouse. Le même jour, j'informe le procureur. Le même jour, j'appelle un commissaire qui me dit, tu peux prendre le soin de demander une autopsie si tu as un doute. On tient conseil des pasteurs parce que je veux savoir est-ce que l'autopsie ne serait pas un acte anti-biblique. Mm-hmm. Qu'on me reproche demain d'avoir fait peut-être un sacrilège ou quoi que ce soit. Ils me disent non. Le lendemain matin, avant de prendre la décision, il faut que j'informe d'abord la famille. Les frères de ma femme arrivent, les cosserés. Parce qu'il y a le cosséré et puis il y a la famille maternelle. Et chez les bétés, c'est la famille paternelle. C'est eux qui ont tous les droits. C'est patriarcat. Donc souvent, les agissements de la famille maternelle m'étonnent un peu. Le jour où ils doivent se taire et puis se référer à la famille paternelle. Mais on va leur rappeler la procédure au moment venu. Donc les frères arrivent et je leur informe que je vais demander une autopsie. On a déjà préparé le courrier. C'est dimanche. Le lundi, mon secrétaire, qui est le pasteur José, se rend au parquet pour déposer le courrier. On dit, on ne prend pas de courrier parce qu'il y a problème de coronavirus. Aïe. Donc j'appelle le procureur pour dire, monsieur le procureur, moi, on n'a pas d'amitié. On a la chance, au moins, son numéro est connu de tous les services de police. Voilà, c'est un service public. Donc il appelle monsieur le procureur, on veut demander une autopsie, pour porter plainte contre ceux qui nous clashent sur les réseaux sociaux. Il dit, venez à mon bureau. Ma secrétaire va faire la décharge, mais je vous informe que moi aussi, vu tout ce que les gens racontent, j'ai demandé une autopsie pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur les conséquences et les causes du décès, pour ne pas qu'on accuse celui-ci, pour ne pas qu'on accuse celui-ci, on veut être informé tous. Ça fait deux mois que ma femme est dans la classe. 2 mois qu'on me dit, vu qu'on demande 1 mètre de séparation, le médecin légiste, qui n'est pas sous les ordres du procureur, refuse de faire l'autopsie jusqu'à ce que les mesures barrières soient retirées. Donc, nous sommes en train de pleurer, on continue de pleurer. En même temps qu'on pleure, faute de l'autopsie, les familles se divisent, les gens s'accusent, les gens s'insultent pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autopsie. Donc, du fait que l'autopsie n'est pas faite, les conséquences du non-autopsie là, est en train de détruire toute une famille. Mais l'ignorance, la Bible dit quoi? Faute de connaissance, le peuple périt. C'est ça. Ils ne savaient même pas qu'on avait fait une deuxième procédure où nous avons demandé une expertise médicale. Où la justice doit désigner un collège de médecins qui doivent regarder du début de l'opération jusqu'à la phase post-opératoire si toutes les mesures ont été respectées dans le cadre de ma femme. Parce que ce qui est arrivé à ma femme, tous les médecins du monde, après ma première interview, beaucoup m'ont appelé. Près de 7 médecins du Canada et tous qui m'ont dit, du fait que vous dites que votre femme, le soir, avait mal et qu'on lui prescrit un médicament, c'est interdit par la loi. C'est une automédication. Le médecin n'aurait pas lui dit, allez à la pharmacie, payer quelque chose. Il devait venir lui-même ou amener une ambulance parce que la patiente se plaint. Le lendemain, mon épouse a des vertiges. C'est une réaction au produit anesthésiant, selon les principes. Et du fait que vous dites que votre femme a commencé à avoir comme du sang qui remontait, c'est une hémorragie interne. Donc sûrement, la prothèse qu'ils ont placée en elle a dû avoir une défaillance. Donc est-ce que vous avez le scanner de la prothèse? Non. Donc, il faut une expertise médicale pour savoir s'il n'y a pas eu erreur médicale. Et oh, dans cette procédure que nous avons demandé, l'avocat n'était pas informé. On a eu 2 procès. Le premier procès était le 15 mai et le deuxième procès était le 22. Au premier procès, la clinique dit que mes enfants que j'ai là, ce ne sont pas les enfants de Tatiana. Non. Oui. Ah là, c'est fort. Et que nous, là, on doit amener la preuve, malgré les certains de naissance, par une audience au niveau du tribunal, que ce sont les enfants de Tatiana. Et que moi, Camille Makoso, ils ne sont pas sûrs que je suis le mari. Pourtant, quand j'ai payé mon argent, on m'était considéré épouse Makoso. Mais on arrive au tribunal, ils s'opposent même à une expertise médicale. Ils refusent qu'on puisse voir si le travail a été bien fait. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on nous cache? J'ai payé pour la vie. On m'a servi la mort. On a privé mes enfants de leur maman. On a privé une famille. Et dans mon deuil, on veut m'insulter. Il fallait que je sorte rapidement de mon deuil. Parce qu'il y a des nyakas, il y a des combats. Que seul Makoso peut le faire yeux dans les yeux. Donc là, tu es prêt à aller au combat. Tu vas les affronter. J'ai dit, jusqu'à mon dernier souffle, ils m'ont arraché ma femme. Justement. S'il n'y a pas eu erreur médicale, je bénis Dieu. Mais s'il y a eu erreur médicale, qu'on ne veut pas le soin de cacher
Vous savez, les poursuites peuvent bien y aller jusqu'au bout. Je suis même capable de demander à ce qu'il y ait des médecins. Parce que si l'un des médecins veut pour les protéger, j'ai le droit de demander des experts qui viendront peut-être du Burkina. Dès que le confinement est levé, je peux faire venir des médecins de l'Europe. J'ai les moyens pour cela. Mais le respect est très important. Vous savez, aucun médecin ne vient opérer une personne pour que la personne meure. Mais il y a la manière. J'aurais été un homme heureux si la clinique m'avait désigné des personnes venues me dire Yako. Parce qu'un malheur peut arriver. Mais pas de tout ceci. Rien n'a été fait. Rien. Ils sont restés dans le silence. Dans le silence, tranquillement. En s'appuyant sur peut-être la thèse, pour l'instant, on ne nous attaque pas, c'est Makoso qu'on attaque. Mais lorsque l'autopsie va finir, mais tous les regards vont se retourner maintenant vers la clinique. Donc ça veut dire que Makoso, tu es serré au jour d'aujourd'hui, tu ne parles pas, tu attends la fin de l'autopsie. Je dis, attends la fin de l'autopsie. C'est quand l'autopsie est finie, bagnant. C'est là que ça va chauffer. Parce qu'il faut que Satan fasse des miracles. Vous venez dire que moi, Camille Makoso, ma femme à qui j'ai payé mon million pour aller opérer, pour qu'elle soit bien, pour qu'on se mette bien, elle est rentrée. Et puis un témoin est rentré, puis je me dis, oh, boua, boua, moi. C'est que vraiment je suis l'homme. C'est-à-dire, on doit même me pendre. Justement, Makoso, tu as fait une interview hein, où tu disais que. Non, c'est dans ton direct. Où tu disais que quand ta femme s'est effondrée, elle a pointé le doigt sur le mur. Oui. Et elle a prononcé le nom de quelqu'un. Oui. Voilà. C'est fort. Très. Nous, on veut savoir. Vous ne pouvez pas. Faut nous dire. Non. C'est-à-dire que même si tu ne donnes pas le nom, quoi, explique-nous un peu les paramètres. Comment ça, elle pointe le doigt et puis elle prononce le nom de quelqu'un? Vous savez, c'est grave. Je dis que c'est grave parce que je n'ai pas vécu seul. Mm-hmm. Mes enfants et ses nièces étaient présents. C'est-à-dire, quand ma femme est revenue en elle, elle a regardé le mur comme ça, puis elle a tendu la main. Et puis, comme elle est étonnée de ce que tu me fais, et puis elle dit le nom de la personne, c'est un membre de sa famille maternelle. Mm-hmm. J'ai dit devant mes enfants, devant ses neveux et nièces. C'est pour ça que je suis assis ici tranquille. Elle a juste prononcé ce nom. Juste ça. Tu sais, je te. Comment tu t'appelles? Chola. Je suis quand je me dis. Chola! Chola! Ça veut dire beaucoup de choses. Voici comment ma femme a prononcé le nom de la personne. Mais pour l'heure, on attend l'autopsie. Quand l'autopsie va finir, j'ai deux questions à poser à cette personne. Pour nous qui sommes chrétiens, comme nous avons une maturité spirituelle, nous disons, le temps de mon épouse est parti. Ma femme venait de finir un funérail. Où elle est allée donner mais 1 million. Funérailles de qui? De grand frère de sa femme. D'accord. C'est le nom de ma femme au village là-bas, là, qu'on chantait. Tu vois, non? C'est elle qui a donné 1 million août. Quand 2 semaines après, ma femme se fait opérer, qu'elle décède. Vous m'avez vu venir dire, vous avez livré votre fille à partir de l'argent de son funérail? Parce que chez nous, les Gabous, là, en temps normal, on doit vous pointer du doigt. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais le mari, si je n'avais pas fait soigner ma femme et que ma femme décédait suite d'une maladie, on aurait pu dire, Makoso, avec tout l'argent que tu as là, tu as été méchant. Parce qu'il y a des maris, quand les femmes tombent malades, ils abandonnent. Donc pour le moment, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, le temps de ton épouse, elle est venue te prendre le zéro pour faire de toi un héros. C'est terminé. Ne pleure plus, mon fils, reprends le combat. À partir de là, je ne pleure plus. Je bénis Dieu. Parce que ma femme est partie grande. Ma femme, quand je le dis, certaines personnes sont choquées. Ma femme est partie millionnaire. Elle a laissé beaucoup d'argent à ses enfants. Tu comprends, non? Ma femme est partie une femme heureuse. Regardez notre dernière vidéo. J'ai pas la force de la regarder, notre dernière vidéo. Mais quand je regarde ma femme qui a fait sa coiffure, je lui ai dit, mais pourquoi tu prends coiffure? Tu as fait voir mes sujets, dit ma conscience, sa femme est sereine des autres. Elle s'en va me pleurer comme blanche. Elle dit, c'est la coiffure des anges. Ma femme en Israël m'a dit, Dieu va nous faire passer par une épreuve cette année-là. Si on n'est pas fort, on ne va pas se relever. Ma femme savait que quelque chose allait arriver. Dieu a pris cette épreuve-là pour voir si moi, j'allais l'abandonner ou si j'allais revenir encore plus fort. Et quand je m'entends aujourd'hui parler, le monde entier doit avoir un seul père spirituel. C'est Camille Makoso, l'homme qui a vaincu la prison et qui vient de traverser la vallée de l'ombre de la mort et qui est encore debout. C'est pour cela que j'ai donné mon numéro WhatsApp au monde entier. Ou que ceux qui ont des problèmes spirituels, parce que tu vois, c'est ça, c'est seulement que je peux me consacrer. Il y a des personnes, je suis là, qui ont perdu leur emploi, qui sont à terre. Il y a des filles qui sont dans le gourmet, qui se suicider. Moi, j'ai perdu ma femme, mais je crois à la vie. Il n'y a pas de raison de baisser les bras. Et mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 09 50 93 59. Alors, on va parler de Bordeaux Likoumfa, hein, qui vient te rendre visite pendant que tu es en deuil. On a entendu dire que c'est parce qu'il n'est pas venu de lui-même, c'est parce qu'il y avait une plainte. Non.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la plainte de Bordeaux n'était pas cité. D'accord. Voilà. Et qui était cité? C'est un pasteur qui est en France qui fait Bab Jaune. Ok. Il fait Bab Jaune. Il avait fait un direct. Voilà. Ok. Donc lui, je lui ai seulement interdit d'entrer en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Tu as ce pouvoir? Donc j'ai ce pouvoir pendant 5 ans. Parce que mon pouvoir, c'est ma plainte là. Ok. C'est-à-dire, si tu arrives, tu dois répondre à la... De ses actes. De ses actes que tu as dit. Parce que toutes tes vidéos, on a téléchargé. Mm-hmm. Du début jusqu'à la fin, on a téléchargé toutes ces vidéos. Oui, parce qu'il t'accusait d'avoir tué ton épouse. Bien sûr. Okay. Il a même accusé l'État de Côte d'Ivoire de m'avoir obligé à sacrifier ma femme pour entrer dans la franc-maçonnerie. D'accord, c'est faux. Donc, ce ne sont pas des petits deals. Donc, pendant 5 ans, s'il met ses pieds en Côte d'Ivoire... Il ira répondre de ses actes. Il ira répondre de ses actes. Et comme les peurs sont là, il sera jugé, il sera condamné et ira à la Maca où je suis encore un dieu. Okay. Et j'espère pour lui que son anus est serré. Donc revenons à De Bordeaux Likoumfa. Bon, De Bordeaux arrive. On m'informe d'abord le matin que De Bordeaux a pensé qu'il va arriver. Est-ce que je vais le monsieur? Il dit, mais bien sûr. On est à terre, on est en train de pleurer. On a quelle force de dire, pourquoi celui-ci dit ça? Pourquoi celui-ci dit ça? Je n'ai pas le temps de regarder Facebook de quelqu'un. On pleure. On se réveille avec 2 heures de matin, on ne croit pas. Mais ça t'a fait quoi quand De Bordeaux est venu? Il a commencé à chanter et tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'évacuer. Mes enfants pleuraient, mes enfants aiment De Bordeaux. Hein. Mm-hmm. Tu vois comme ça, les enfants des stars, ils aiment les stars. Mm-hmm. Quand on voyait les stars passer, vraiment, les, on force pas. Oui, c'est de leur âge. Voilà, donc ça les a fait beaucoup du bien. Donc quand De Bordeaux s'est mis à chanter, du fait que voici quelqu'un avec qui on a eu des incompréhensions. Justement, c'est là où je voulais en venir. Quand il vient chanter comme ça, ça prouve que dans ce monde-là, il existe encore Dieu en chaque personne. Mais, Camille Makosso, quand De Bordeaux a perdu ses danseurs, oui. Tu as fait des directs? Jamais. Tu n'as jamais accusé De Bordeaux d'avoir tué ses danseurs? Jamais. Mais pourquoi De Bordeaux était remonté à ce point contre toi? Parce que De Bordeaux est un grand artiste entouré de ploucs. Permettez-moi de le dire. Et ça, je le lui dis toujours. Les gens qui sont autour de Bordeaux, là. Toi, les pays, oh mon Dieu, on a appris qu'il t'a accusé d'avoir tué ses danseurs. Donc De Bordeaux, sans preuve comme ça, il se lève et puis il croit au dit de ses proches, comme tu dis. Ça, c'est un peu bizarre quand même. Ça peut arriver. Il y a pas une fois dans ton direct où tu as parlé mal de De Bordeaux. Où j'ai parlé mal de De Bordeaux? À toi aussi. Le traitant de tous les noms, l'accusant d'avoir tué ses danseurs. Jamais, en matière de tuer ses danseurs, jamais. Parce que c'est des familles. Derrière les danseurs, là. Il y a des familles. J'ai fait prison. Accusé De Bordeaux d'avoir tué ses danseurs, je vais en prison. Sans preuve. Sans preuve, je ne peux pas. Et puis De Bordeaux a perdu ses danseurs, je crois, en fin 2016. Selon les informations. C'est 2017. C'est 2017. Mais j'allais sur Facebook, j'ai tapé un peu décès des danseurs de Bordeaux autres. Et j'ai constaté que c'était pratiquement à cette période-là que moi-même je venais sur Facebook. Donc je ne connaissais pas tous ces dossiers-là, je ne maîtrisais rien. Voilà, jamais. Donc il n'y a pas eu de plainte vis-à-vis de Bordeaux? Non, pour quelle raison? De Bordeaux, c'est un artiste en Côte d'Ivoire, c'est un problème. Aujourd'hui, vos rapports? Bon, juste après, on s'envoie des SMS pour lui dire, Joe, la chanson que tu as chantée, c'était tellement bien. Si tu peux faire un petit son en studio, on va mettre ça le jour de l'hommage et autres. Il m'a promis ça, donc j'attends. Mm-hmm. J'attends. Super. Donc je ne veux plus, après le décès de mon épouse, être en conflit avec quelqu'un. Ça, vraiment, parce que mon épouse n'a jamais aimé cela. Elle n'a jamais apprécié. Mais vraiment, on aurait voulu apprendre. Hein, on aurait voulu apprendre le seul nom. Bab Jaune. Le nom de la personne qu'elle mais a vue là. Ça va sortir. Mais ça n'a qu'à sortir maintenant. Ça va sortir le ministère. Ça va sortir. Tu peux nous envoyer loin. Et la personne, je vous dis, son esprit va l'emporter. Hein? Et qu'il veut garder. Je suis général Camille Makosso. J'ai fini mes 40 jours de jeûne. Là où je suis assis, je suis prêt. Je suis tellement prêt. Je suis prêt sur le plan spirituel, sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan coup de poing. Celui qui vient au funérailles avec un olivier, on le recevra en paix. Mais celui qui vient au funérailles avec un esprit de cafouillage, ça sera le funérailles le plus spectaculaire. Et les funérailles vont se passer où? En Côte d'Ivoire. Oui, à Abidjan. Elle sera enterrée à Abidjan, bien sûr. Okay, ça, c'est moi qui ai tous les droits. D'accord. Elle sera enterrée à Abidjan. Beaucoup sont en train d'hésiter entre William Civil et puis le cimetière d'Abobo. Moi, je suis un enfant d'Abobo, elle est née à Abobo. Donc, il est probable à 90% des chances que nous, là, au cimetière d'Abobo. Ça, Abobo. Moi-même, j'ai déjà dit, on m'enterre à Abobo. Nous sommes enfants d'Abobo. D'accord. Voilà. En tout cas, merci, Général Camille Makosso, de nous avoir reçus. Mais on ne va pas partir comme ça. On va appeler ici tes filles. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec elles si c'est possible. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc elles peuvent venir. Alors,
en exclusivité sur Ivoire TV Musique, nous avons aujourd'hui les filles du général Camille Makosso qui sont présentes. Et avec elles, on va discuter un tout petit peu. Alors déjà, vous allez vous présenter. Comment toi, tu t'appelles? Moi, c'est Makosso Kimberly. D'accord, tu es l'aînée. Mm-hmm. D'accord. Et... moi, c'est Makosso Bérénice. D'accord, alors enchantée. Kimberly et Bérénice. Alors, j'ai une question pour Bérénice. C'est toi qui as laissé la note vocale, hein? D'accord. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de penser que, avec la note vocale que tu as laissée à ta cousine, les gens ont accusé ton papa d'avoir tué ta maman? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Ça me fait mal parce que je me dis que c'est à cause de moi qu'ils sont en train de gâter le nom de mon papa. Et je regrette d'avoir envoyé le message à ma cousine. Mais sur le coup, qu'est-ce qui t'a poussé à envoyer ce message à ta cousine? Je culpabilisais. Mmh. Par rapport à quoi? Je me disais que si je ne m'étais pas battue avec ma grande sœur, tout ça n'allait pas arriver. D'accord, ok. Et Bérénice, non, Kimberly. Voilà, toi, comment tu as vécu la situation, étant la grande sœur, vu que c'est toi qui te battais avec ta petite sœur, comment tu as vécu la situation quand ta maman, par exemple, arrive et qu'elle essaie d'apaiser la tension, elle s'effondre? Comment on perçoit la chose? Je me suis sentie mal parce que je me suis dit ma maman venait de se faire opérer. Parce que quand elle est venue, elle se sentait mal parce qu'elle se disait on n'a pas pitié d'elle. Mmh. Elle se faisait opérer. Elle est malade et vous vous disputez. Donc, quand on tentait de se disputer, quand elle essayait de crier, moi, je reculais pour ne pas que ma maman vienne. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question à votre papa de savoir, si il était prêt à se remarier. Il a dit que tout dépendait de vous. Si au jour d'aujourd'hui, votre papa doit refaire sa vie, quel genre de femme vous voudrez que votre père ait? Une femme comme ma maman. C'est-à-dire? Qu'il aime, qui est gentille, parce que ma maman ne nous a jamais frappé. Elle parle, on veut pas une femme qui va venir et puis elle va se jouer les grandes, on fait des bêtises, vous ne mangez pas, elle nous insulte. Non, une femme gentille qui aime vraiment notre papa, qui nous aime nous aussi. Et ça vous fait quoi d'entendre que déjà, il y a 21 femmes hein, en griffe qui veulent déjà épouser papa? C'est bizarre. C'est ça bizarre. Nous étonne pas. Pourquoi? Parce que quand maman était là, il y avait des femmes aussi qui venaient. Elles venaient draguer papa, essayer de le séduire. Donc ça ne nous étonne pas. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des dissensions qu'il y a dans la famille, du côté de votre mère et avec votre papa? Qu'est-ce que vous pensez de la situation qu'il y a? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites quand même, non? Parce que si quelqu'un insulte notre papa, c'est comme s'il nous a insultés. Mm-hmm. Il a insulté ma maman. Donc, tu insultes mon papa, tu l'as insulté. Tu détestes mon papa, tu nous détestes. Tu n'aimes pas mon papa, nous aussi on ne t'aime pas. Voilà qui est clair, voilà qui est bien dit. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est encore condoléances. Merci d'avoir participé à cette émission. On va demander au général Camille Makosso de revenir pour son mot de fin. Et puis, on va conclure. En tout cas, les filles, vous êtes super belles. Bonne continuation et que Dieu continue de vous élever. Alors, général Camille Makosso, on a discuté un tout petit peu avec tes charmantes filles. Mais malheureusement, cette émission est terminée. On aimerait avoir un mot de fin pour tous les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique qui vont suivre cette émission. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vu mes filles qu'il va s'amuser à venir sur mon territoire. Parce qu'elles sont belles. Ce ne serait pas du tout bon pour lui. Est-ce que vous avez bien compris, papa? Papa. J'aimerais dire merci. Mm-hmm. Aux Ivoiriens qui ont prié pour nous et qui nous ont soutenus. J'aimerais leur demander de continuer de prier pour nous, de nous soutenir, parce qu'aujourd'hui je suis papa, je suis maman. C'est pas facile, parce que j'ai pas vu mes enfants grandir, je connais pas un peu leur comportement, leur caractère. Donc aujourd'hui, ils sont en train de m'habituer un peu à tout ceci. Je me battrai pour être un bon père, pour elle, et que maman, là où elle est, soit fière de moi. Voilà, que je vais éviter beaucoup les petits cocotards. Les filles, vous avez quelque chose à dire pour terminer cette émission? Je veux dire merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues, qui envoyaient des messages, parce que c'est grâce à ça qu'on est sur pied aujourd'hui. Pour toi, ça va? Tu rejoins ce que ta soeur a dit? C'est parfait. Alors, très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique,
Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous étions en compagnie du général Camille Makosso et de ses adorables filles. On se dit à la semaine prochaine, même heure, surtout même canal. Ivoire TV Musique, c'était Chola. À bientôt. Au revoir.